Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ce petit collector de Kirby. Une exclusivité Japon et Américain et Amérique. Malheureusement, c'est pas arrivé par chez nous. C'est un petit une petite édition collector avec moi ce que j'adore, voilà. Des petites illustrations sur les languettes. Donc c'est vraiment, voilà, vu que c'est les 20 ans de Kirby, ou c'était, ou c'est, voilà, je me suis dit, on va en profiter, on va faire une petite vidéo rétro unboxing. Donc avec ce magnifique petit guide. On va l'ouvrir en format français. Tac, avec tous les jeux qui étaient sortis. C'est dommage que ça soit pas sorti en France. Avec des magnifiques illustrations, l'explication, avec des... C'est une compilation de Kirby. Très belle édition que je vais pouvoir faire sur ma Wii U Jap. C'est aussi un des jeux que je voulais posséder, que je voulais avoir dans ma collection et potentiellement faire, parce que voilà, même s'il y a un petit peu de texte dans Kirby, ça passe encore. Le Kirby 3 en plus. Donc, certaines illustrations sont reprises dans le livre. Ça c'est marrant, avec une explication de tous ces petits Kirby qui sont sur l'image. Voilà, j'avais laissé une petite semaine, voilà, je me suis laissé une petite semaine parce que j'ai fait une très grosse vidéo la semaine dernière et je voulais qu'elle soit visible sur la chaîne. J'essaie de tenir mon rythme d'une vidéo par semaine ou tous les 15 jours au moins, voilà. Qui est au moins 2 vidéos dans le mois. Le petit unboxing, c'est quand même pratique, mine de rien. Ça se tourne bien, c'est assez facile et puis vous êtes réceptif, donc c'est quand même appréciable. Petit jeu avec une espèce de couverture en bois avec tous les jeux qui sont dessus. Un double CD. La soundtrack qui est vraiment top. Le disque du jeu. Alors, est-ce qu'il y a des codes? Je ne sais plus. C'est une petite pub. Pour les jeux d'époque. Là, il y a un petit code Club Nintendo. Une petite notice d'avertissement, comme ils font beaucoup. Alors après, normalement il est complet. Donc pour qu'il soit complet, il faut toutes les petites cartes d'enregistrement et les notices. J'ai aussi les deux opus de la Wii en pâle. Donc ça c'était des notices, hein, ça fait très longtemps qu'ils ont ces petites notices là rapides, les Japonais. Voilà, c'est les notices en fin de vie de la console de la Wii U. Sur la Wii U c'est ce qu'on avait, mais je trouve ce que c'est. Voilà, ça fait quand même le taf. Petite notice comme ça, même dans Smash Bros, tout ça, tous les jeux comme ça, c'est suffisant et puis ça permet de... Ça vraiment sympa. Je peux vous faire voir le guide en même temps.
vidéo elle dure 4 minutes. Tac. Donc voilà. Petite notice des Kirby. Voilà, donc ça c'est un beau petit collector. Hein. C'est vraiment dommage que ça ne soit pas sorti chez nous. Sur le sol français. Hop. Donc on va faire comme ça. Alors. Ça, je suis fan et pas fan. C'est très très joli, mais c'est les couvertures comme ça. Qui sont en feuillet. Qui sont relativement fragiles. Et ça, c'est une belle couverture comme ça, papier. Voilà, très belle couverture papier. Hop, je dézoome. Un beau beau un beau kit qui s'en fait pour les 20 ans de Kirby. Voilà, c'est un sacré ouvrage. Je vais pas tout vous le montrer. Feuilleter un peu. C'est des très belles illustrations. Limite ça, bien scanné, ça fait des fonds d'écran. En tout cas, c'est un sacré ouvrage. Kirby, pinceau arc-en-ciel. Kirby Planète Robobo. Tous les Kirby sortis, donc c'est ce que je disais. Celui-ci, je l'ai. Et... il y en a un autre au fil de l'aventure. Il n'y est pas le au fil de l'aventure. Ouais, enfin il y a au fil de l'aventure. Ça c'est mignon, avec les petits Waddle Dee. Ils sont trop beaux, regardez les bonnes bouilles qu'ils ont les petits Waddle Dee. Petit Kirby Splatoon. Voilà, c'est un sacré. Regardez ça, regardez ça. Regardez comment ils sont tous mignons. Ça, pour un petit avatar de Discord, c'est magnifique. Voilà, en tout cas, c'est un sacré bel ouvrage. Je vais vous refaire voir un petit peu le début, parce que... voilà à peu près tout. C'est un sacré ouvrage, hein, quand même 260 pages. Voilà, on est quand même sur du beau guide. C'est sur ce que on va se laisser. Je vous dis à une prochaine vidéo.